Allô? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vous le savez pas, mais moi je le sais. Je suis passé la fin de semaine à faire du ménage chez nous. Parce que ma chatte, elle a pogné une infection à l'œil. Puis là, j'étais comme, ben là. Je mettrais pas la face dans la poussière puis dans le poids la journée longue, c'est sûr que ça aiderait. Mais donc voilà, j'ai passé la fin de semaine à faire du ménage, ma nièce est venue m'aider. C'était bien fou. Hein? Je la vois basse ce matin. Et puis aujourd'hui, c'est ma journée. Là. Parce que je ne prends pas de bloqueur. C'est ma journée. Parce que je ne prends pas de bloqueur. On est lundi matin. Hein. Puis je prends ma pilule. J'ai décidé d'arrêter les bloqueurs une journée. Parce que c'est trop fort, les bloqueurs. C'est juste trop fort. Je fais de la limonade hier. Mais vu que j'ai pris plus de citron, ben... Elle est pas mal sucrée. Elle est pas sucrée. Et je dois la sucrer. J'ai fait du jus de citron et orange. Je vais mettre deux petites cuillères de sucre. Cette semaine, j'ai des rendez-vous, mais pas en début de semaine, plutôt en fin de semaine. J'ai psychologue mercredi, nettoyage des dents à jeudi, puis vendredi, c'est le médecin. Vendredi médecin, je vais lui expliquer que j'ai commencé une psychothérapie, puis j'aimerais bien ça la finir, que ça pourrait m'aider. Pendant qu'un organisme m'aide à me trouver un nouvel emploi, plus inclusif, parce que je vais être moins jugé que dans un hôpital. J'espère que ça va marcher. J'espère qu'il va être à l'écoute de mes besoins puis qu'il va me rallonger. Puis mercredi, je m'en vais jouer de la musique avec mon ami drummer. On va retourner à mon lac à heure. Ça fait longtemps que j'y ai pas été. Peut-être 3 mois. Faut que j'aille payer le lac de musique une fois par mois. Au début du mois. Il faut le payer cash. Fait que je vais souvent faire un tour au local, une fois par mois depuis un bout. Mais je joue pas nécessairement. T'sais, je vais juste là pour. Je vais m'arranger les cheveux, ok? Un petit peu moins pire. J'ai quand même sué beaucoup cette nuit. J'ai comme tout dormi sur ce côté-là. Tout ce côté-là, c'est tout mouillé. Celui-là, non. S'endormi sur le divan. Des fois, ça fait du bien. Je suis content parce que j'ai quand même eu du social, un peu de moments sociaux avec d'autres mondes ces temps-ci. Ça m'a fait du bien. Voir mon ex, de jaser de trucs non binaires. Puis, j'étais allé au sex shop, à la boutique érotique, avec
Mon ami Alex Lalicorne. Je suis allé m'informer pour des push-ups. C'est un peu comme un faux des prothèses. À peu près comme ça. Pas gros de même. C'est pas très gros finalement. C'est des prothèses mammaires. Mais faites en silicone. Collant. Fait que, tu sais, t'as ton sein, tu te colles dessus, ben ça colle, puis ça te donne une coupe de bonnet de plus. Un bonnet, deux bonnets, je sais pas comment ça marche. J'ai même pas encore acheté ma première brassière, mais chose que je vais devoir aller faire. J'ai demandé à mon ami si elle voulait venir avec moi. Genre des brassières, c'est pas juste des brassières de sport, mais des brassières un peu plus érotiques, on va dire. Dans d'autres matières. Voilà, j'aimerais ça. Aussi, aujourd'hui, nous sommes lundi matin. La semaine passée, mardi, j'ai été me faire brûler la barbe. Puis, faut pas se raser, mais je me rase pareil. Mais tu sais, pas jusqu'à la peau, mais avec un rasoir peu irritant. Puis, j'ai réussi à me raser quand même. Je me rase pareil. Si je suis pas gay. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça. Je continue de me raser quand même. Mais après deux séances d'épilation définitive, il y a déjà une grande amélioration. Une grande amélioration. Sans qu'il y ait des spots. Il reste juste comme des spots. Puis entre, c'est des plaques de vide. On regarde mon cou. Ça a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ça a vraiment beaucoup aidé. Il me reste une couple de plaques, là. Ça, ces plaques-là, c'est des poils qui me restent. Fait que entre les plaques, plaque. Fait qu'il y a quand même une bonne, tu sais, ma moustache, là. Ça n'a pas l'air de même, là, mais moi, je vois une amélioration. Entre les spots, entre qu'il n'y a pas de poils ou moins de poils, au lieu d'être juste fourni. Fait que je sens qu'après la prochaine séance, il va y avoir vraiment plus d'amélioration au niveau de la moustache. Mais donc voilà. Là, je m'amuse. Bonjour, gang. Donc, aujourd'hui, finalement, j'ai un gros projet aujourd'hui. C'est capoté. J'en parlais avec mon ami, la licorne. Je disais, là, ça fait 400 quelques jours, là, 450 quelques, je sais pas trop. Puis là, j'ai pas de brassière. C'est fun fact. I'm a non-binary transféminine, donc je suis une femme trans-non-binaire. Donc, pour montrer où je mets mes efforts. Au début de ma transition, je me suis acheté des petites culottes de style tanga, en dentelle, puis tout ça, tu sais, j'étais tout fier. Puis là, bon, aujourd'hui, on y retourne, mais là, cette fois-ci, pas pour des sous-vêtements en dentelle. On y retourne pour une brassière. Fait que je vais demander à la madame. Quelle me mesure pour prendre ma grandeur de bonnet? Donc, j'ai hâte. Ça fait un moment que j'y pense, puis que je me dis, ah, faudrait que j'aille m'acheter des brassières. Puis j'ai un peu honte. T'sais, fait que je vais y aller avec mon ami. Mon ami m'a demandé, hey. En fait, elle m'a envoyé un gif avec une fille qui a une brassière à sa tête. J'ai pas allumé au début. Puis là, elle me dit, veux-tu qu'on a magasiné aujourd'hui ta brassière? Elle dit, ah, ben oui. Je dis, est-ce que toi aussi t'en as besoin? Elle me dit, ah, ben oui. Bon. Donc, je me prépare vite fait. J'ai pas les plus beaux cheveux aujourd'hui. J'ai
J'ai essayé une stratégie, puis je pense pas que ça marche. C'est que j'ai un masque pour les cheveux, L'Oréal, et un shampoing. Là, j'étais en train de me raser, j'étais en train de me laver dans le bain, je me rasais les jambes pis tout. À un moment donné, mes cheveux sont devenus assez mouillés. Puis là, j'ai fait, bon, ben, gars, je vais faire juste un masque pour les cheveux, t'sais. Je prendrai pas le shampoing. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. J'ai le masque pour les cheveux dans mes cheveux, mais je n'ai pas le shampoing. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bonne question. Puis en plus, j'ai l'impression que je me suis pas bien rincé. Fait qu'il me reste encore des résidus. Fait que. On va voir comment ça va se dérouler aujourd'hui, mes cheveux, là. Ils vont être corrects, mais pas au top de leur forme. Quand ils sont au top de leur forme, là, ils sont forts, mais là, ils sont pas tout à fait forts. Ils vont être luisants pis beaux. C'est correct, mais ça sera pas le top. Chaud. À chaque fois que je t'assieds ici en train de me faire les cheveux, le fer me donne chaud. Et je me dis, ben là, je prendrais pas un fer plus fort de bord, tu sais, correct, mon fer finalement. C'est juste un an parce qu'il faut que je fasse plusieurs passages, parce que c'est moins puissant. Je me gosse dans les cheveux. C'est d'avoir au moins quelque chose de passable parce que quand mon toupette à matin, je ne le trouvais pas passable. Je me suis dit, je vais nourrir mon toupette, puis au moins, je vais avoir une coupe pas trop pire. On fait ça. On va aller magasiner une brassière. Je vais amener mon téléphone, puis dans la salle d'essayage. J'aime ça, ces petits moments avec mon ami, trans. En fait, c'est une elder trans. Quand j'étais garçon, on m'avait parlé d'elle. C'est une elder trans. C'est-à-dire que c'est une femme trans, mais comme plus en transition. Même si on reste toujours comme un semi en transition, on veut pas. Ben, elle m'a appris beaucoup à comme m'accepter comme je suis, puis de pas m'en faire pour des affaires d'auto, d'estrogène, puis de faire confiance, tu sais. C'est. Elle est un petit peu conspi, mais on s'entend bien pareil. C'est pour ça que je dis, tu sais, on n'est pas. On peut pas tout s'entendre dans la vie, là. Mais des fois, on peut avoir des bonnes valeurs, là. Puis on s'en rejoint au niveau de ces valeurs-là, de l'honnêteté, puis. C'est ça. Honnêteté, famille, tu sais, ce genre de valeurs-là. C'est une personne qui les a. Que je me sens bien et en sécurité quand elle vient me voir, quand on fait des choses. Puis tout. Même si elle n'écoute pas le même style de musique que moi, même si, même si ça. Même si, tu sais, moi, je suis non-binaire. Aïe, aïe. Ouch. OK. Oh, ouch.
Ça sent bien. Ça va être ça pour aujourd'hui. On fait tout ça pour être cute. Puis ça marche. J'en fais une petite couette. Regardez mes côtés comme ça. Je suis content de se faire du fun aujourd'hui. J'ai toujours du fun avec mon amie. Je suis content qu'elle ait décidé qu'on reste amis. By the way, c'est une personne qui m'a chassé. Que je voulais rester ami avec elle, mais pas elle. Puis finalement, elle est restée amie avec moi. Puis on a des bons moments ensemble d'amitié, puis j'aime bien ça. C'est le fun d'avoir des amis trans. Fun d'avoir des amis trans. Fun. Bon, ben c'est ça. On va être comme ça aujourd'hui. Fait qu'on va aller acheter une sœur. J'aimerais ça qu'elle soit mauve. Mauve, noire, blanche. Mon type de couleur. Salut! Allez, arrange-toi à coller. Passe-toi. Passe-toi, là. Passe-toi, mon collet. Passe-toi. J'aime bien cette petite robe-là, mais elle est un petit peu serrée, mais c'est pas grave. Elle m'allait bien.
Tu roules, puis là, il y a des petits trucs qui sortent, puis tu peux t'attacher ça là. Je suis super content. On va faire de quoi de cool aujourd'hui. Je suis pas très fortuné, mais. J'ai assez de pouvoir acheter une facile. Oui. Parce que j'essaie de garder de l'argent dans mon compte pour payer le local de musique qui s'en vient. C'est comme ça que je suis dressé aujourd'hui. On s'en va au magasin. Une brassière. Salut! Il y a 461 jours. Wow, impressionnant. Aujourd'hui, je suis allé magasiner ma première brassière. Ça, c'est pas une brassière, ça, c'est une brassière de sport, ça compte pas. Mais j'ai acheté vraiment ma première brassière. Je suis full contente. C'est comme une étape. Une étape dans ma vie de femme trans. Qu'est-ce que je porte? Je porte du 36A. Je porte du 36A avec une rallonge. Avec une rallonge. Ça là, c'est pas toujours facile à trouver des modèles qui nous conviennent de brassière dans toutes les boutiques. J'ai pu en trouver une paire, puis en plus, j'ai des rallonges. Vous vous dites sûrement, mais de quoi qu'elle parle? Des rallonges. C'est vraiment un petit morceau avec des petites sangles, comme celles qu'on a derrière la brassière. Puis on utilise ce petit morceau pour rallonger la longueur. C'est hot. Parce que, vu que j'ai des petits seins, mais. J'ai des petits seins. Puis un haut assez large. C'est pas toujours facile de trouver des choses qui me vont bien. Je me suis dit. J'avais demandé à mon ami. La licorne. Si elle voulait venir avec moi magasiner des brassières. Puis là, ben encore là, aujourd'hui, elle m'écrit, puis elle me demande tant. Tu veux-tu? Elle m'envoie un petit guide de petit bonhomme avec une brassière sur la tête. Elle dit, veux-tu qu'on pille? Tu veux-tu qu'on aille magasiner tes brassières? Je suis comme, oh, wow! C'est le fun d'avoir une personne qui peut nous encourager aussi dans notre expression, puis dans nos expériences. D'avoir une elder trans, ça fait des années qu'elle prend les hormones, puis on m'encourage beaucoup. C'est bien. Elle m'aide beaucoup à m'accepter comme je suis. Je suis belle comme je suis, j'ai déjà, tu sais. Je suis belle comme je suis. Elle m'aide à m'accepter comme je suis, tu sais. Puis ça, c'est des personnes. C'est dans le réalisme, tu sais. Fait que c'est ça. J'aime ça passer du temps avec elle. Elle m'encourage. Je l'encourage aussi. T'sais, on se promène là, puis je disais tantôt qu'on se blendait.
c'est on passe. Fait qu'on se blend. Elle dit, oh, j'aime pas ça le concept de passe. Pis de blend, pis tout. C'est vrai. On devrait pas utiliser ça. Quand on est en transition. On transitionne. On trouve des mots pour dire qu'est-ce qu'on ressent. Fait que l'autre jour, je suis à pied. Donc, c'est l'histoire où je suis allé à m'acheter une brassière. On va recommencer. Faut revenir en arrière. Aujourd'hui, on est lundi. Mais là, samedi, on est allé, moi puis la licorne, au sex shop. Je suis allé m'informer pour des push-ups. C'est quelque chose que tu rajoutes dans ta brassière pour agrandir tes seins. Ça coûte genre 229$. Je me suis informé pour ça. Une cage de chasteté, 119. Puis autre chose, je sais plus quoi. Fait que c'est ça, j'ai été m'informer pour des trucs kinky. J'ai été m'informer pour... j'ai été m'acheter une nouvelle brassière. J'ai acheté du shampoing Kérastase. Je vais vous en reparler. Le shampoing Kérastase qui répare les cheveux. Là. J'ai acheté une petite bouteille. Je vais vous en reparler. Il y a ça. Puis... j'ai acheté du jus de potelus. J'ai fait une coupe d'affaires aujourd'hui. C'était le fun avec mon ami. Puis j'ai bien hâte d'essayer ça. Mes nouvelles brassières. T'sais, je l'ai essayé au magasin, mais j'aimerais ça. Le porter. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui à aller magasiner. On est allé au Toys R Us aussi. Vers la fin, mon ami a acheté un Lego. C'était le fun. C'est des moments que j'apprécie beaucoup. Puis, on fait de la visibilité, on sort, on reste pas enfermé. On fait nos commissions, puis on est des êtres humains normaux. T'sais, puis, les gens nous regardent, mais moi je m'en fous. De toute façon, là, s'ils nous regardent, ben au moins, ils regardent de quoi de beau. Moi, je me trouve belle. C'est ça, je suis en train de reprendre confiance en moi tranquillement dans ma vie en général. J'ai plus confiance en moi en fille que moi en gars. Bon, bien plus belle aujourd'hui après toutes ces années. Encore plus belle encore dans l'avenir. Avec ma belle chevelure. J'ai hâte. C'est ça. J'en revois bientôt mon médecin. On va voir si on me rallonge ou pas. Mais moi, j'en ai besoin. Je vais voir aussi ma psychologue. J'ai une couple de choses à faire cette semaine. J'étais un petit peu perdu au début, puis j'ai demandé les confirmations par courriel. Parce que je me souvenais plus si le rendez-vous il était quelle heure déjà. Donc voilà, mes démarches continuent. Je deviens de plus en plus belle, même si mes taux d'estrogène ne sont pas nécessairement super hauts. Je vais en reparler à mon endocrinologue, mais pour l'instant, j'ai tellement de stress dans ma vie pis tout, que je fais comme gars. Là, je prise les lundis, tes affaires de taux, on arrangera ça plus tard. Tes affaires de taux, tu vas arranger ça plus tard. Pour l'instant, fais tes choses, va voir ta psy, tout ça, travaille tes affaires. La semaine prochaine, laisse un message à ton endo. C'est ça. Je vais dire, j'aimerais ça augmenter un petit peu ma dose d'estrogène. Est-ce que c'est possible? Oui, non. C'est ça. La vie continue.
Là, je vais avoir des plus beaux cheveux. Je me suis informé sur plein de choses. Je regardais un petit peu des vêtements sur Dollskill puis tout, des sites internet de vêtements de gothique, Killstar, puis tout. J'ai été bien informé, ça avait l'air bien correct. Les vêtements sont pas chers, mais j'ai pas d'argent en ce moment. Je vais attendre ma prochaine paye. Et là, je veux aller jouer de la musique avec mon ami. Sortir, aller au local, jouer fort. J'aimerais ça enregistrer ça. Pour faire du bien. Il y a une bonne chose qui s'en vient. C'est un courant. Un défi. J'ai pas encore fini, mais je m'en sors bien. Des nouvelles brassières, des produits pour les cheveux. Quatre cent soixante et un jours. C'est quand même beaucoup. Quand j'ai commencé les hormones, j'étais un tout petit garçon, tout petit frêle. Aujourd'hui, je suis une belle femme forte. C'est plaisant, ça. On disait tantôt. Quand on regarde dans le miroir, d'aimer ce que tu vois. C'est le fun, ça. Mon amie, elle me dit que je suis narcissique en joke. J'ai dit oui, mais moi, c'est ma fierté. Puis tu sais que je suis pas narcissique. Je pense toujours aux autres. Tu sais, je demande, tu sais, je m'informe toujours aux autres. Tu sais. Fin de semaine prochaine, il y a des amis de France qui viennent vivre à Québec. On va aller chiller qu'eux autres. Ça parlait du drag, mais on n'y va peut-être pas. Fait que plein de choses s'en viennent pour moi. Les bonnes. Je l'espère. Mais je suis pas encore prête pour revenir en société. Puis... j'ai encore beaucoup de blessures, puis... et voilà. Ouais, je suis encore blessé, puis... j'ai pas des bons mécanismes. Sortir, puis. J'en ai des bons. Ouais. Je me mets moi-même les bâtons dans les roues. Dans ma démarche d'être. Dans mes comportements. T'sais, en ce temps-ci, j'ai bu beaucoup d'alcool. J'ai fait une coupe de baisse de pression. J'ai fumé beaucoup de potes. Fait que. En ce moment. C'est moi qui m'occupe de ma consommation. J'avais un suivi pour ma consommation, mais je l'ai plus.
mais je suis en psy, mais je suis en psychologie avec une psychologue. Ça, ça c'est bien. Mais c'est moi qui m'occupe de ma consommation. Puis j'ai des bouts durs, tu sais. Je suis imparfaite, tu sais. Je vais consommer beaucoup d'alcool, t'sais. C'est pas bon pour moi, t'sais. Mais c'est pas grave, je garde espoir, je suis bonne, je suis capable. Merci de m'écouter, je vous aime, on se reverra plus tard, bye. Allô? Voyez-vous, je me suis dit, ça c'est ma première brassière que j'ai pas. Ma véritable, véritable brassière avec vraiment des anneaux. Voilà. Je m'en suis pogné une blanche, une rouge vin et une noire. Puis, fun fact, j'ai mis une rallonge en arrière pour qu'elle puisse être un peu plus large. Parce que le problème parfois c'est que ça peut pas être plus large. Hey, Mimi! Je suis content. Je vais te magasiner ma première brassière. Yes! Avec mon ami Alcorn. C'était le fun. J'ai acheté aussi quelque chose de mongol que je vous avais montré dans une vidéo. Je vous l'avais montré en échantillon. C'est un shampoing pour les cheveux. C'était la marque Kérastase. Et je me l'ai procuré. Fait qu'à deux gouttes de la shot, ça devrait durer longtemps. Et voilà, je me suis procuré les Kérastase. J'ai été m'informer aussi pour d'autres produits. Puis dans le fond, sur les gros formats de ça, parce que t'as des gros formats. Fait que, malheureusement, ils ne tiennent pas des gros formats de Kérastase, mais ils tiennent des grands formats de Enforcer ou de d'autres, du masque. Tout ça, ils ont un gros format. Fait que je me suis informé. Pas pire, hein? Ah, je suis tellement contente. C'est ma première brassière. Je suis tellement contente. C'est ma première brassière. Je suis full contente. Je suis full fière de moi. Oh! C'est merveilleux. Salut. Ah! Allô?